Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet avec toute la section rugby? Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. On organise différents sujets comme la bourse aux vêtements, la bourse aux jouets. Aujourd'hui, il y a le match Massif Biarritz et on en profite pour faire une vente de t-shirts qu'on a personnalisé. Il y a la carte de l'Afrique avec des jeunes du Cameroun et il y a Christophe Spitzen parce que enfin, c'est pour lui qu'on œuvre, c'est pour lui qu'on récolte cet argent. Ariane et Anna, donc vous jouez au rugby vous aussi? Oui, on joue. Avec l'AS, tu connais, Denis Didron. Et alors ça se passe comment? C'est quoi? Il ressemble à quoi vos matchs? Bah on joue à 7. Il y a des postes sur le terrain. Il y a des postes ou pas? Vous faites quoi comme action? Non, il n'y a pas forcément de postes. C'est juste quand il y a des mêlées ou des touches, on a des postes un petit peu attribués. Le premier 2. Bienvenue aux arbitres et aux équipes de Biarritz et de Massy. Après cette sympathique aide d'honneur composée d'enfants d'école de rugby portant le t-shirt de son association, le coup d'envoi de la partie va maintenant être donné par Serge Betzen. Conçu au départ en 2004 comme un projet permettant de populariser le rugby auprès des jeunes défavorisés du Cameroun, la Serge Betzen Academy utilise désormais l'enseignement de ce sport comme vecteur d'intégration sociale, d'accès à l'éducation en faveur de centaines d'enfants de Yaoundé et de ses environs. Les missions qu'elle s'est fixées sont de faire découvrir le rugby aux enfants défavorisés du Cameroun, de transmettre à ses enfants par le biais du rugby des valeurs et des repères pour les aider à se construire dans la vie et de les accompagner durant leur scolarité en leur assurant un suivi médical. Aujourd'hui, 5 centres regroupent 500 enfants. Vous pouvez contribuer à cette action par l'achat du t-shirt à la fin de la partie. Ouais,